Dans l'épisode précédent, Darkhaven, Azenshing et Vexios s'étaient engouffrés dans une caverne aux propriétés mystérieuses dont ils ignoraient l'existence. Cette grotte était dénommée à juste titre la Grotte de la Folie. Elle avait bien failli leur faire perdre la tête, mais ils en étaient sortis sains et saufs. Nous les retrouvons par la suite de leur aventure, pour le moins épique. Mais tu vas lâcher ma godasse, oui ? Mais moi je veux une banane ! Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, comme je le dis toujours, et on se retrouve en compagnie de Darkhaven. La dinde et... Ladies and gentlemen, c'est Darkhaven. Et de Azenshing, mais Azenshing il est... Salut mes petits pandas, je suis dans la cave, poursuivi par un squelette. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Donc, on va reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on va récupérer des lits. Nous allons... là, j'ai pris une cisaille, tu vois, donc... Hop. Chikungunya. Oh mon dieu, Chikungunya. Chikungunya. Mais aucun rapport, tu sais. Quelqu'un n'aura pas trop faire. Ah, ensuite, grâce au sable que Vexios nous a fait cuire et au fer que Az nous aura récupéré et alors qu'il vient de... Vous avez vu ce travail d'équipe. Ce travail voilà, d'équipe. Exactement. Ouf. Et on a même presque pas eu le... En fait, on a rien fait. Hein. Entre deux épisodes, on a même pas préparé. Je vais crafter ça, le backpack. Ça continue instant. Comment on fait, dis-moi. Alors, ouais, tu vas le crafter. Alors déjà, tu pourrais crafter, je vais te le dire. Attends, où est le verre? Passe-moi le verre, s'il te plaît. Je l'ai plus. Ah si, il est là. Je le mets dans le coffre. Ah, merci. Donc, le verre. Voilà, il faut que tu utilises... De terre. sur ta table de craft, tu fais un H en verre et tu mets un lingot de fer en haut et en bas. Au milieu. Milieu haut, milieu bas. Ouh là là. Alors, et tu en fais deux. Attends, redis voir. J'ai rien compris. Fais une forme de H. Donc, 6 voilà. À gauche, 6 à droite, 1 au milieu. Et tu mets le reste en fer. Alors, 6 à gauche. Et il faut que t'en fasses... Bah, une colonne à gauche, oui, le 3 à gauche. Bon, et le reste en fer, d'accord. Ok, ça fait un backpack tank, ok. Voilà, et il t'en faut deux. Il m'en faut deux. Voilà. Des backpack tanks, il m'en faut deux, ok. Il te faut un coffre, il te faut un lingot d'or, il te faut quatre cuir, et il te faut un sleeping bag, et le sleeping bag, bah, il va falloir que je chope de la laine ou de toile d'araignée. Alors, donc ça c'est bon, j'ai deux tanks machin truc là, ça y est. Alors, ensuite, tu m'as dit, il me faut quoi? Un lingot d'or? Il te faut quatre cuir, un lingot d'or. Ah, du cuir, on en a un, je crois. Ah, j'ai trouvé des vaches là-bas, attends, je vais dire. Ah, je crois qu'Az a du... Et je vous apporte un cadeau. T'as trouvé l'or? Donne. Oui. Donne. J'ai. Donne. Oh putain, il y a 10 vaches ici. Donne. Putain, il y a 10 vaches, les gars, ici. Bon, c'est bien, j'ai récupéré du cuir du coup, parce qu'il nous faut du cuir en masse pour les backpacks. J'aime bien parce que Dark il croit qu'on l'a pas entendu. C'est genre, il y a 10 vaches. Et bah, il répète exactement la même phrase. Il y a 10 vaches. Bah en fait des fois je suis pas sûr qu'on m'entend, c'est un putain de réflexe pourri, mais pas de soucis. Je me fais suivre pour ça. Alors on doit tuer le dragon à coup de bif ou pas? Moutons. Hein? Faut tuer le dragon à ou pas? Non. C'est dégueulasse. Je couperai au montage. Azne, tu remontes ou bien? Bah ouais, mais j'ai rien dit, Attends, y'a un mouton, ne tue pas, avec ce que je le prends. Mais y'a plein de moutons. Je récupère la laine avec mes cisailles. Y'a des cochons aussi, c'est cool ça, faudra qu'on fasse notre élevage de carottes. Y'a un mouton près du coffre. Il faudra faire notre élevage de carottes. Ok, c'est bon, j'ai de quoi nous faire les backpacks, c'est bon. C'est moi ou t'as tendu, t'as fait un truc bizarre avec le raton laveur? Je suis passé à côté, genre t'as dit... Non. Un raton laveur, je vais pouvoir l'en... mener quelque part avec moi. Ok, alors... Vexé aussi, tiens. Quoi? Où? Deux, un, deux, trois, où? Là, où? Deux, un, quoi? Allez, comment on fait les gardiens déjà? Merci. Ah, comme ça, ok. C'est l'or qu'il nous faut, du coup. Ok, j'ai fait un sleeping bag, du coup... C'est bon, j'ai l'or. C'est combien d'or qu'il faut? Ah ouais, d'accord. C'est deux lingots d'or? Aucune idée. C'est ton objectif à toi. Mais c'est Dark qui a dit. Alors, il te faut un d'or que tu vas mettre en haut. Non mais attends. Tiens, je t'ai crafté un sleeping bag. Le sleeping bag, il est fait avec trois carpettes et un morceau de laine. Donc ça, je l'ai fait. D'accord, ça, c'est bon. Là, tu le prends. Tu mets quatre morceaux de cuir sur les coins. Mm-hmm. Tu mets un sleeping bag en bas. Ensuite, un coffre au milieu. Tu mets les deux tanks à gauche et à droite et le lingot d'or en haut. Alors attends, putain, je te le dis de tête. Alors, putain, non mais j'ai le sleeping bag en bas, j'ai les quatre bouts de cuir sur les côtés. L'or au sommet. Ok. Au milieu. Le coffre au milieu, les tanks à droite et à gauche. Voilà. Et, là, et j'ai rien. Bon, passe. Passe. Non mais c'est bon, regarde, j'ai un lingot d'or au-dessus, un lingot d'or au milieu, le sleeping bag en bas. Lingot d'or au milieu, il n'y a pas au milieu, c'est un coffre au milieu. Ah, voilà, donc j'ai pas le coffre. Eh ben attends, bouge pas, je te le fais.
Hop, 1, 2, 2, voilà. On va s'en sortir. Voilà. Dankeschön. Toi le cochon. Voilà, hop. dans le cochon. Il m'a traité de cochon le mec. Hey. Bon, je fais cuire de la bouffe, mais en même temps, j'ai trouvé du bœuf. J'arrive pas, tu m'as traité de cochon là. Hop, donc moi je récupère aussi pour faire mon propre backpack. Ah là, c'est bon, j'ai mon backpack. Et donc, du coup, comment je l'équipe? Bah, tu le mets. En fait, il va être équipé à la place de ton torse. Donc, tu le places. Place-le. Vas-y, place-le. Hop, c'est bon. Et voilà, le grand aventurier de l'extrême. Ça y est, incroyable, magnifique. Et qu'est-ce que ça donne? Et bah, tu peux ouvrir ton backpack et tu peux ouvrir notamment. Alors, je sais plus c'est quelle touche parce que comme je l'ai pas sur moi, bah, je vais pas pouvoir te montrer. Il va falloir que je me le crafte aussi. Il faut que je fasse des tanks aussi, alors bouge pas. T'as du verre, passe-moi ton verre. Tiens, je te file le backpack, tu me dis comment on l'ouvre déjà. Je te pique tout. M'en fous si t'as serré ou pas. Merde. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est malin. Attends, plus l'habitude moi. Tu appuies sur B pour l'ouvrir. D'accord. Donne-le-moi. Voilà. Et alors, en fait, ce qui se passe. Alors attends, je t'explique tout de suite. Dans les trucs en verre. Oui. Dans les trucs en verre qu'il y a dessus, il y a des touches en verre, tu verras. Donc tu peux crafter automatiquement avec déjà. Donc t'as plus besoin de taper. C'est pas vrai. Ouais, ça tu peux le poser pour utiliser le sleeping bag justement. C'est-à-dire donc tu peux dormir dessus. Un lit portable quoi, si tu le laisses c'est en cool, fait sur des campements, j'enlève la pluie parce que c'est chiant. Ah donc alors avec on peut crafter étudier. Hein? Avec on peut crafter étudier. Oui tu peux crafter. Et tu as des outils verts, en fait des trucs verts dessus, en fait c'est un switch, c'est-à-dire qu'en fait si t'as envie, tu peux en shift cliquant je crois changer entre l'épée, la pelle, la pioche et tout, cool. Tu peux tous les mettre et ça va t'animer, c'est-à-dire que derrière ton dos en fait tu vas avoir ta pioche et tes trucs en fait. Alors, il faudrait encore une laine pour que je puisse faire le truc à Zazu aussi. Faudra trouver un mouton. C'est génial ça. T'as vu, c'est génial hein. Tiens, et regarde, on voit ta hache derrière. Ouais, j'ai vu. Donc du coup, alors ça, comment je mets l'épée dedans? Bah tu mets dans le slot vert. Ah ouais, parce que la mettre direct ça marche pas. Ah si, ça marche. Attends, tu m'as toujours pas passé du verre avec eux. Mais je sais, c'était fait exprès, je veux pas te donner du verre. Tiens. Passe avant que je défonce l'île. Tiens, voilà. Il y a une chose que je me demande, vu que t'as retiré la pluie, c'est plus l'arche de Vexius, vu que l'arche ne sert à rien si tu retires la pluie. Ouais, tais-toi, voilà. Hein, ok. Selon la légende. Oh non, mais le mec, quoi. Selon la légende. Va, retourne miner du fer. Et comment on fait pour switcher d'armes une fois qu'on l'a? C'est shift-click normalement. Non. Il y a une touche, c'est une touche de raccourci, sinon faut que t'ailles dans tes contrôles pour échappe, voir. Option, contrôle, switch horse tank, N, ça doit être ça non? Non, ça c'est avec un autre truc. Voilà, fatal error. D'accord, non mais parce qu'en fait à la base ça c'est avec un pistolet spécial. Ok, donc ensuite comment ça se passe? Comment il est parti comme ça quoi? J'aurais pas aimé du tout. Mais j'ai pas fait exprès. Ah bah j'ai fait le même. Même lui en plus. Il appuie sur N comme un con au lieu d'appuyer sur B. Alors, okay. C'est contagieux ou quoi? Allez, je vais appuyer N. Alors, attendez, je vais vous dire tout de suite. Ouais, tu vas nous dire du coup. Hein. On t'attend là. Hein. Alors, échappe, option, contrôle. Hop. Alors, c'est où est-ce que je peux retrouver ça? Macarena. Strafe right, strafe left. Voilà, ça c'est impeccable. Ensuite, je crois que j'ai compris. Franchement, j'ai un gros doute. J'arrive plus à voir laquelle touche permettait de changer rapidement de hache et de truc. Inventory sorting air. C'est dommage parce que ça a l'air sympa comme truc. Ah non, mais attends, faut juste que je retrouve la touche. Et dès que je l'ai retrouvée, c'est bon. Unpleasant true cave fart, machin, inventory sorting, inventory E. Le speak, block, attack, destroy, key. Non. C'est comme ça que ça marche. Hop. C'est le backpack. Ah, ok, sympa. Apparemment, on peut stocker de l'eau dedans aussi, c'est sympa ça. Ah ouais. On peut pas. On peut pas. Ah, c'est une incompatibilité de mode. Bon, bah tant pis. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu switch, ça te fait jarter. Bon, bah c'est pas grave. Ah, tant pis. Ce sera pour la déco. Ouais. Ah, c'est très dommage quand même. Ah, bon, après, ouais, pour la déco, oui, tu peux rajouter en effet le. Mais bon, l'avantage quand même, c'est qu'on a notre petite table de craft qui est possible d'utiliser. On peut y mettre aussi de l'eau. Eh, l'eau, on s'en sert comment? Bah, tu prends des seaux d'eau et puis tu les places en fait dans ton inventaire. Regarde, quand tu as un petit truc, t'as des petits trucs avec des seaux. Et tu peux les placer en fait. L'eau, je l'ai dedans, mais une fois qu'on l'a dedans.
dans le et bah après, tu peux reprendre ton seau d'eau, c'est-à-dire tu prends un seau vide et puis tu recliques dessus pour le vider. C'est pas mal, c'est pas mal. On voit l'animation, en plus ton truc est plein, c'est marrant. Alors, hop. Ok, le fer est en train de se déplacer, ainsi de suite. Bon, et bien voilà, déjà un premier objectif, c'est d'avoir son backpack. Maintenant, il faudra qu'on le personnalise. Il faudrait juste qu'on me redonne le. qu'on me redonne mes objectifs parce que je les ai plus. Ah bah je crois que c'est moi qui les ai les tiens. Non attends, je sais où ils sont, je vais les chercher. C'est bon, je les ai avec ce tiens. T'as les miens? Ouais, tiens. Ah j'ai les miens, merci. Et je les veux. Ça me dirait le... Ok. Hop, ça alors le backpack il est où? Voilà. Pouf, c'est fait, un objectif de complete. Récupérer le backpack pour Vexios maintenant. Pour Azn. Hop, j'ai trouvé de la laine, c'est bon. On va lui faire aussi. Hop. On va faire le backpack. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien, tout le cuir on l'a fumé. Je vais commencer à faire la... La ferme. Ah, tu veux faire une ferme ici et tu veux pas qu'on se déplace? Tu veux pas attendre un petit peu encore? Bah, je sais pas, déjà cultivé 2-3 carottes, non? Ouais. Attends, non, on est pas... J'ai de la poudre d'os si tu veux. C'est pas. Ce réflexe d'aller prendre la table de craft alors que j'en ai une sur moi maintenant. Ah, c'est vrai, moi aussi, pareil. Hop. Du coup, faut juste savoir comment elle marche en fait, comme ça. Hop, c'est bon. Hop. Hop, hop. Et donc, on va faire la U. La U. Alors, il manque un bleu. Oh, putain, les lingots d'or pile poil. On fait la U. Pile poil. Alors je vais GG Azn. T'as bien mérité ton backpack. J'en ai encore si tu veux, hein. J'en ai 11 encore. Je me suis fait attaquer par quoi? Oh, t'as un squelette. Il fait que ça. Il mine tout le temps. Ah, il mine tout le temps, mais c'est vachement pratique. Hein. Ah oui, c'est clair, on a un mineur. C'est vachement pratique avoir un chinois sur les bras. Bah. Ah oui, t'es pas con. Je l'ai sorti de l'usine et tout, il faisait de l'iPhone en plus. Moi, je l'ai pris directement. Ok. Mais comment il s'auto-détruit, tu sais. Oh, Creeper, non, c'est fou, non, c'est fou. Dégage, Creeper, dégage. Alors, on va faire notre petite ferme là-dedans. Yes. Ah, non, ça devrait marcher comme ça, je pense. Hop, 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 hop. Ok, alors. Ah, il faut du verre, encore une fois. Faut que je me crafte. Donc on va faire des petits puits. Où est-ce qu'on va les faire, les puits? Ou alors en dessous, je sais pas si ça marche. Des canons d'irrigation, voyez-vous. Vas-y. Oublie pas, hein. T'as pas besoin de te faire masse. Ah, parce que des puits d'irrigation, t'en fais un. Je sais. tu les fais comment, toi, tes puits? Ça ne te regarde pas. Je sais plus. Comment je fais? Ah non, c'est trop. Regarde, pas la peine de te donner autant. Aïe! Hein. Ok, il y a un arc enchanté, lui. C'est pour ça, je vais le tuer. Aïe. Non, c'est les miens. Ah bah, j'ai pas eu. Ouais, tu te donnes... c'est-à-dire qu'en fait, ouais, t'as besoin d'une source et c'est bon, quoi. Hein, tu... Parce qu'en fait, le mieux, c'est que tu mettes ta source au milieu parce que ta source fait 4x4x4. Enfin, ça couvre un rayon de 4, en fait. Je la mets là. Mais, dis-toi qu'en fait, de 1, tu peux faire de 4 de distance pour tous, donc voilà. Voilà, c'est bien. Azn, il faut du verre avant de pouvoir te le passer. Donc là, j'ai pris une pelle. Bonjour, Meme. Attends, je me suis retourné, il y a un mouton qui me regardait. Mon psychopathe. Bonjour, Meme. Salut. Enfin, c'est pas Meme, d'ailleurs, c'est Bébel, mais c'est pas grave. Je crois qu'il essaie de me dire quelque chose. Le nombre de fois que t'as dit ça à Sedu, toi. C'est clair. En fait, j'ai pas regardé, mais en faisant le montage. Enfin, je commence à faire le montage là. Faudra peut-être me prévenir parce que moi j'ai pas commencé. Ah non, mais t'inquiète, je suis loin d'avoir fini encore. J'ai pas eu beaucoup de temps encore pour le faire. Donc rassure-toi. Il nous faut beaucoup de sable. Azn, t'as combien de sable toi? Des suites. Ah, des suites. Des suites. Tu parles des huîtres? Des huîtres. Alors, alors. Des huîtres. Aïe. J'en ai marre des squelettes. Je refais un troisième four du coup parce que les fours minerais. Bah j'en fais un quatrième alors. J'en ai marre des squelettes. Ah zombie, j'en ai marre. Je peux faire celler de partout. C'est pas grave, je vais séparer la production en deux pour que ça aille plus vite et qu'on puisse vraiment faire. Déjà, c'est pas mal déjà. Hein. Déjà, on va pouvoir noter backpack. Alors pour les personnaliser et les crafts, faudrait que je regarde parce qu'en fait, les crafts n'existent pas sur Not Enough Item. C'est-à-dire que t'es obligé en fait d'aller voir ma présentation. Je m'étais abusé à tous les répertorier ceux-là. Ils avaient pas de craft. Ah, ça a été chiant à faire, mais heureusement il y a ma présentation. Mais du coup, comme ça, si on veut choisir vraiment notre sac qu'on veut, bah voilà. Ah, mais il y a une durabilité sur ces putains de sacs! Apparemment, oui! Ah, on va pas pouvoir les customiser du coup là pour l'instant. Pourquoi? Oh, je me suis permis de le faire un full fer. C'est bon, on pourra les customiser plus tard. Hein. Ah, tu t'es fait un full fer quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Le mec il s'est fait une armure full fer. Ça va tranquille? Voilà. Mais qui mine et tout, il croit qu'il peut piquer, il croit qu'il peut piquer dans notre réserve de fer et tout. Bah du coup on a plus rien. Sérieux? Bah non, il y a quelque chose. Non, il reste 10 lingots.
Bravo, Az. Bravo. Je sais pas si c'était le plus judicieux, Az, à faire au début. T'aurais pu faire un plastron pour tout le monde. Ouais. Bah non, mais je Radin. Je suis en bas, moi. Ouais, mais t'es en bas, mais nous, en haut, il y a les mots créatures et tout. Donc, si on part explorer, c'est un peu con, parce que du coup, t'as tout, mais nous, on a ouais, rien. Merci, hein, merci. Franchement, merci, quoi. Vas-y, je te fais faire ton backpack, bâtard. Dark, moi, j'ai pensé à toi, moi. Dark. Moi, j'avais fait un backpack. Oh c'est le cas. J'ai 11 fers sur moi. Ah, c'est cool. Il faut pas lui dire. Ok. Hein, quoi? Vous avez dit quoi? Reste dans ton trou, toi, bâtard. J'ai déjà dans mon trou. T'avais pas du... Comment ça s'appelle des... Du bone machin, là, t'as dit? De la poudre d'os? Ouais, du bone meal. Bone machin. Tiens. Bone machin. En v'là 21, monsieur. Merci. Ce qu'on appelle le rire chevré. Le rire d'un don. Et un tank. Mais... Et deux tanks. Mais... Encore ? Eh, il passe sa vie à pleuvoir. Et t'as vraiment bien choisi le nom, quoi. Parce que l'arche, là, je peux te dire que Dieu, il est en train d'attendre le déluge, quoi. This bon, is the deluge. Le quoi ? The deluge. J'ai fait un backpack. Okay. J'ai fait un backpack, mec. Backpack. Backpack. Salut, j'ai fait un backpack. Attends, aïe, attends. Ah, tu te fais attaquer par quoi? Un zombie! Ah, il a une carotte dans la main, le truc. Ah, maintenant, il m'a volé ma carotte, en fait. T'as volé ta carotte, plutôt, ouais. Il t'a volé ta carotte. He stole my carrot. He stole your carrot? Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. He stole my carrot. He stole my carrot. Faut que je fasse un coffre. Unbelievable. It's unbelievable. It's unbelievable. Voilà. Le mec en a marre. It's unbelievable. C'est bleu. It's bleu. It's bleu. It's bleu. It's very blue. C'est bon. Ah, c'est jaune. Donc on a une... Mais c'est quoi le jeune? J'ai ton backpack. Ouais, moi j'ai une banane. Déjà, on a tous un backpack. Voilà. C'est déjà pas mal. Non, c'est fini maintenant. Attends, il est où? Il sent pas bien. Il est passé où? Az, je suis caché, je suis caché. Az, n'arrête de sneaker. Là, t'es dans le trou. Ah, c'est bien, il est direct allé à la fosse à diamant, lui. La fosse à diamant. Bon, nickel. Non, parce que je me suis dit, il y a un truc qui me plaît beaucoup. Alors donc, je le fais. D'accord. Tu sais ce que c'est? Bah, c'est miné. Ah non, non. Non, non, c'est la batte. Il veut faire la batte. Ah, il veut se faire la batte, lui, d'accord. Il veut lit, faire rabatte. Bat. Il veut faire une batte. Il veut rabatte. Rabatte. J'ai mis Katam. Aïe, mais j'en ai marre de me faire agresser là! Non mais. Toutes les deux secondes quoi, mais dégage! Est-ce que je parle de ta mère, moi? Sérieux quoi? Ok, oh, après cet objectif réalisé. Quel objectif? Ah oui! Fallait... Bah. Bon, il n'est pas réalisé, mais bon, il est à moitié réalisé. On va récupérer ouais, ça. Faudra qu'on fasse une sucre. Petite maison aussi là! Ah bah, si tu veux, on fait la maison, vas-y! Moi, la frère ou la maison? Bah, comme tu veux. Attends, je suis en train de regarder. Ah oui, j'ai du sucre. J'ai de quoi faire du sucre. La pluie, moi j'en ai marre. J'ai de quoi faire du sucre pour apprivoiser certains animaux. C'est déjà pas okay, mal. Ok, vas-y, fais-le, sucre. Comment vous faites pour ouvrir? Pour le backpack? Avec B. Je la fais où la maison avec Sus? Je sais pas là où je suis, peut-être. Ouais, là où t'es? D'accord. Papa, quoi, où comme t'es, c'est une maison papa, où t'es? Une belle maison. Tu veux la faire? Le... Non, pourquoi la faire l'erreur? Pourquoi je fais ça? Ah, fait quoi? Toujours, j'ai ouvert le B, après au bout d'un moment, pff, va te faire foutre. Aïe, si t'appuies sur N en même temps, ça a dû foirer. J'appuie pas sur N. Aïe, je me suis accroupi. C'est quoi cette connerie? Ah, tu t'es accroupi, t'as switché du coup. C'est une touche qu'il faut pas faire. Aïe. Lol. Aïe. Je mine, quand je mine, je suis en sneak tout le temps. Quoi. C'est de plus en plus le bordel. Lol. Bordel. On peut plus sneaker avec le. Ah, si, c'est bon, c'est facile. Je sais pas ce qu'il fait, mais. Il est pas doué. Hein. Aïe. Non mais... Je prends la paix de cobble. Ah, j'en ai marre de la pluie. Ah, zombie villager. Bonjour. Bah, au pire, on le prend pour le prochain épisode, la maison. Ah ouais, le prochain épisode. Tu vas aussi lui faire une maison, fais une arche. D7. Ouh. Ah, il faudra, faudra faire l'arche aussi, c'est vrai. Ouais, bah l'arche, je t'en occupe. Les trucs incurvés, franchement, ça me plaît pas. Tu fais carré comme tu la barque. C'est bon, attends, c'est pas chier. De toute façon, il faudra du bois normal pour l'arche.
Alors. Hop. J'attends, je casse un arbre qui était parti en lévitation. Pourquoi? Il volait, le grand. Voilà. Est-ce que ça ira, ce petit trou à rat, là? Ce petit trou à rat. Est-ce que ça te plaît, ce trou à rat? C'est bon, petit trou à rat. Mais oui, tout à fait. Oui, oui, c'est pas mal. Là, bateau, on va se construire. Ça devrait être pas mal. Et nous voilà de retour après un petit bug, donc j'ai dû refaire tout mon inventaire. Alors, je le précise tout de suite, il est possible que Backpack Adventure foire tout, totalement tout. Malheureusement, là, on le découvre, hein, on peut pas tout tester comme ça tous ensemble, mais voilà, bon. Donc, si jamais le problème persiste, vous aurez plus Backpack Adventure, mais le Backpack classique, là, c'est que je voulais changer pour moi. Bon, pour Vexio, ça change rien, parce que de toute façon, c'est nouveau pour lui, donc oui. Ça changera pas. mais moi, par contre, peut-être qu'on changera pour que le serveur soit plus stable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Moi, j'ai récupéré beaucoup de bois. Az n'a réussi à farmer pas mal de fer. Et moi, regarde, j'ai commencé les fondations de la maison juste là, Vexio. Mais c'est magnifique. Voilà. C'est bon. Un bois de boulot. J'ai arrêté parce que j'ai vu que Vexio, il avait perdu toutes ses données. Donc, le temps qu'il se redonne tout, voilà. J'ai tout refaire. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, voilà, la maison, elle va être, on va l'attaquer ici. Hop. Hop, hop. Voilà, je commence à monter les piliers. Avec tout le boulot que je me suis fait, de toute façon. Ah, c'est du bon boulot. Depuis le début de la série, je fais que ça, en fait. Ah merde, putain, mais... Bah, depuis le début de, oui, de la série, moi aussi, je fais que miner. Voilà, tu fais que miner, moi, je fais le bûcher, voilà. Le bûcheron. Le bûcher. Au bûcher. Arrêtez, comme. maintenant, bûcher, bah. Ah, c'est nickel, regarde, pour la porte. Ça va faire un effet. La porte, regarde, Vexios. Comme ça, la porte, en fait, l'entrée, on va la faire juste ici. Petit fripon. On va la faire là. Là, oui. Et du coup, c'est cool, parce qu'avec la façade, tu vois, ça va donner une impression de vraiment imbriquer dedans. Ah, c'est sympa. Ah, c'est vrai que ce sera pas mal, du coup. Par contre, je sais plus comment on craft des... Je sais plus si c'est le craft... Explique-moi tout. Des barrières, je crois pas. Non, c'est bon. Des barrières, non, c'est 6 bâtons. 6 bâtons sur l'horizontale. Okay. Oh là, j'en ai pas des masses. Il faut jouer un peu plus souvent, hein, Vania. Ça fait longtemps, mais je suis tout le temps en game mode. Mais t'as pas une aventure, normalement, que tu fais dans une survie dans un cube? Si, mais du coup, je galère. D'accord. Une autre petite astuce pour toi, par exemple, la barrière, elle peut t'utiliser, tu la places à côté d'un sapling quand tu le fais pousser, et du coup, ton tronc sera obligatoirement de 2 de haut. Ah. Ouais. Super. Cool. C'est génial, je m'en bats les couilles. Non, c'est pas vrai. Balek. Balek. Balestek. Il fait le petit rebelle, quoi. Je vais te dire autre chose. T'as commencé par Rub, je me disais, oh, qu'est-ce qu'il va dire là? Non, mais t'as commencé par Rub, j'ai dit, oulala, je vais être obligé de censurer des choses dans la main. Ouais, censure tout, vas-y. Bip, 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 bip. Lol. Bip, bip, bip. T'es parti? Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? Ok. Rien, j'étais tout simplement en train de... Ah bah j'ai shift... oui, alors surtout si vous appuyez sur shift molette, ce qui permet de changer normalement votre arme principale, vous allez vous faire déconnecter. C'est ça qui vous fait. Donc si vous faites un shift roulette, vous êtes foutu. Un shift roulette. Vous êtes foutu. Il faut pas faire les shift roulette. Ah, et voilà, ouais. C'est le temps écoulé. C'est bien. Allez, la fin du temps est partie. Le shift roulette. Allez, le shift roulette, c'est comme ça. Voilà, bah merci à tous d'avoir regardé alors. C'est moi qui dis ça d'habitude. C'est tout Vexius. Non, moi je suis une fin comme ça, j'aime bien. J'ai rien dit, j'attends qu'il fasse la fin. On va se faire la suite de l'épisode, enfin la suite de l'aventure. Vous abonnez chez nous. Chez Vexius, c'est ça. C'est le gars. Il va falloir faire de la pub aussi, c'est bon, il y aura la chaîne dans la description là, c'est bon. Bon, du coup, on voit que la maison a bien avancé, on continuera ça dans le prochain épisode. En tout cas, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Salut à tous. À la prochaine. Tchuss. Mes petits pandas. Hola voyageur, cette vidéo t'a plu, eh bien tu as bien fait de t'arrêter dans ma taverne, car tu y seras bien servi. Tu peux par exemple découvrir le premier épisode de l'Arche de Vexios en cliquant sur la première petite vidéo en haut à gauche. Tu peux découvrir aussi mon deuxième court-métrage sur GTA V en cliquant sur la deuxième vidéo. Tu peux me retrouver sur Twitter, sur Twitch, sur la Gaming Room TV et également sur Facebook. N'hésite pas à me liker cette petite page Facebook, c'est très important. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite bulle au-dessus de ma tête. Voilà, c'est tout pour l'instant et je vais aller te servir une petite bière parce que tu m'es fort sympathique. Salut !